The Time Machine. Le rêve de Gudea, ou un voyage onirique dans l'Antiquité sumérienne. Au crépuscule des temps anciens, dans le berceau de la civilisation, naquit un roi, dont le nom résonne encore aujourd'hui, dans les échos du passé. Son nom sera Gudea, le grand souverain de Lagash, de la Grande Sumer. Sous le manteau étoilé de l'antique Mésopotamie, Gudea régnera de 2150 à 2125 avant Jésus-Christ. Son règne couvrira une période qui deviendra légendaire quant à ses rêves mystiques et sa connexion profonde avec les dieux. Sa reine et épouse Alifan, adorait Nisaba, une divinité sumérienne de la mythologie mésopotamienne, fille du dieu Enki et de la déesse Ninursag. Le roi artisan et ses rêves célestes. Gudea était un roi énigmatique, réputé pour sa dévotion envers les dieux et sa passion pour l'art. On se souvient de lui non seulement pour ses réalisations politiques, mais aussi pour ses rêves étonnants, qui semblaient être des fenêtres vers un autre monde. Un monde où les dieux et les hommes se rencontraient. L'un de ces songes mystiques, qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, est le rêve des sept statues divines. Dans cette pensée profonde onirique, Gudea raconte comment il a vu sept divinités, chacune portant une statue de pierre, et descendre du ciel pour lui parler. Ces statues étaient des objets sacrés, symboles de la puissance des dieux. Ils ont commandé à Gudea de les sculpter dans la réalité, en utilisant des matériaux précieux, et en les installant dans son temple-palais, en leur honneur. Gudea, en tant que roi artiste, a accepté cette mission avec une humble dévotion. Le voyage irréel dans l'atelier royal. Chaque soir, la déesse Nisaba descendait visiter le roi de Sumer. Cette relation régulière et érotique provoqua la jalousie de la reine Alifan, épouse du souverain de Sumer. Cependant, dans le rêve onirique de Gudea, nous pouvons ressentir à tout moment l'émerveillement qui a dû l'envahir. Imaginez-vous dans l'atelier royal de Lagash, où les artisans habiles ont commencé à donner vie aux visions du roi. Le bruit des ciseaux et des marteaux résonne dans l'air, alors que les sculpteurs façonnent les statues divines. Le marbre blanc et les pierres précieuses scintillent sous la lumière des torches flamboyantes, et chaque coup de marteau semble être une prière sculptée dans la pierre. Gudea lui-même s'est impliqué dans le processus, montrant son engagement total envers les dieux et leur volonté. Il consacrera des heures à méditer sur le message de son rêve mystique, cherchant à comprendre la signification profonde des sept divinités descendues des cieux. La sacralité des statues divines. Les sept statues divines étaient des objets d'une grande importance spirituelle et politique. Elles incarnaient la connexion spéciale de Gudea avec les dieux et représentaient la stabilité et la prospérité de Lagash. Leur création n'était pas seulement un acte d'adoration, mais aussi une déclaration de pouvoir et de légitimité du règne de Gudea. Les statues, une fois achevées, ont été placées dans le temple de Ninugirsu, le dieu tutélaire de Lagash. Elles devinrent le centre de la vie religieuse et politique de la cité. Des rituels complexes et des cérémonies grandioses étaient organisés en leur honneur, renforçant ainsi la position de Gudea en tant que roi choisi par les dieux. L'héritage imaginaire de Gudea. Le règne de Gudea a peut-être pris fin il y a des millénaires, mais son héritage onirique perdure toujours dans le fond de nos âmes. Son rêve, des sept statues divines, continue d'inspirer les esprits créatifs et les chercheurs de vérité, nous rappelant ainsi que les rêves sont plus que de simples visions nocturnes. Ils peuvent être des portails vers des mondes cachés, des messages des dieux ou des récits de notre propre psyché. À travers Gudea, nous apprenons que même les rois puissants peuvent être touchés par la magie du rêve. Ils peuvent être des artistes, des médiateurs entre le divin et le terrestre, et des gardiens de l'héritage spirituel. Les rêves de Gudea sont un rappel que dans les recoins mystérieux de la nuit, l'âme humaine peut atteindre des sommets insoupçonnés, dialoguant avec les dieux et laissant une empreinte éternelle sur le monde. En fin de compte, Gudea, le roi qui sculptait des rêves, reste une énigme fascinante de l'Antiquité sumérienne, une étoile scintillante dans le firmament de l'histoire humaine, et un exemple intemporel de la puissance des rêves dans la quête de la transcendance spirituelle. Vous venez de voir un nouvel opus documentaire de la collection sumérienne de MLQ. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur notre portail vidéo.
À bientôt pour d'autres aventures palpitantes qui jalonneront notre nouvelle saison. Le rêve de Gudea, ou un voyage onirique dans l'Antiquité sumérienne. The Time Machine.